des grandes maisons, hein, principalement. C'est logique, elles tiennent le haut de l'affiche. Mais on vous parle aussi, bien sûr, sur Province Course, du plus grand nombre des éleveurs et des propriétaires qui font la vie des courses. Et donc bravo à monsieur et madame Cronus qui sont très heureux ici d'avoir vu leur câline dame bien se qualifier ce matin dans un bon temps. Tout s'est passé très très bien et très proprement avec un dernier kilomètre qui leur permette de nourrir quelques espoirs. On est au départ du lot numéro 3 déjà. Allez, bientôt les 500 derniers mètres pour ce troisième lot déjà. Ça va vite, hein. Ce matin à Caen, on enchaîne. Il faut dire qu'il y a beaucoup de lots de prévu, donc on va pas passer trop de temps à tergiverser. Entrée de ligne droite avec Thierry de Valestin qui avait l'avantage avec King Look. En pleine piste, Christophe Pétremont arrive avec un nom rigolo, Cobalt Apple. Mais très facile qualif de King Look, qui, comme son nom l'indique, est un fils de Look de Star et qui a un look d'enfer. Superbe. Oh là là, quelle classe. Beaucoup de facilité pour ce représentant de l'écurie des Charmes. Entraînement Thierry de Valdestin qui laisse une impression très favorable. C'est un fils de Look de Star, une love only pour sa mère. Qui est elle-même une fille de. Une sœur, pardon. De Black Rock et qui avait déjà donné Obama 6 victoires. Et on casse la baraque avec King Look ce matin. Poulain qui dégage beaucoup de classe, beaucoup d'élégance et qui vient de faire forte impression dans ce lot numéro 3. On va écouter le résultat chronométrique, mais au-delà du chrono, c'est le style qui nous a beaucoup beaucoup plu là tout de suite à l'instant. Un petit effet bœuf avec ce King Look qui va se qualifier dans ce lot numéro 3, associé donc à Thierry de Valdestin, représentant de l'écurie des Charmes, fils de Look de Star. Les premiers sont retenus dans ce troisième lot, numéro 36, passant 18, 8, le 54 en 19, le 35 en 20, le 31 en 21, le 34 en 27, et pour information, le 33 refusé, 21, 9, les 5 premiers sont retenus. Quatrième lot, piste quatrième.
Voilà, 18-8 donc pour King Luke, mais qui peut faire beaucoup plus vite. L'important n'était pas d'aller beaucoup plus vite, l'important c'était de se qualifier. Et il laisse une impression très favorable, beaucoup de style chez ce poulain, donc frère de deux vainqueurs, Ivory Queen et Obama. La mère est une fille de Gobernador et de Only Love, qui avait aussi donné des vainqueurs avec Blackrock, Valrose. Troisième mère, formidable, puisqu'on retrouve Guilty of Love. C'est donc la famille de Repeat Love, de Nas Love et du Crack Love You que nous avions ici